Salut camarade, bon goûter à vous. J'ai décidé de redonner une chance à Rek'Sai. Depuis le rework, j'ai fait une game et c'était tellement catastrophique que personne n'a vu cette game. Même pas ceux qui l'ont vu en stream. Depuis Rek'Sai s'est fait buff, mais j'ai été tellement traumatisé que j'ai pas recommencé. Et là, vu que j'ai été autofill top, je me suis dit bon, allons-y. Alors, le rework, si vous avez pas du tout fait attention, je comprendrai, hein. Maintenant, la fureur, ça met plus de temps à charger, mais ça soigne beaucoup plus. Le Z, il bump toujours autant, quelle que soit la cible, et ça inflige des dégâts magiques, hein, il y a plus de dégâts magiques. Le E, il fait plus de dégâts bruts, il fait des dégâts en fonction des PV max. Et le A est en dégâts magiques, je vous ai plus ou moins dit ça. Et gagne de la vitesse d'attaque pendant le Q-spell. Voilà, sur le papier, ça avait l'air très bien, mais le champion faisait tellement zéro dégâts que j'étais vraiment dégoûté quand je l'ai joué. On va espérer que ce soit mieux que ça. Puis contre Xanté, je sais pas s'il est nul ou bien en ce moment, Xanté, je l'ai pas vu depuis quelques temps. Ok, c'était... Je crois que j'ai mis une attaque de base, là. Il me semble que j'ai mis une attaque de base pendant cette animation bizarre, là. Vous avez vu, je me suis soigné beaucoup. C'est jamais évident de dire est-ce qu'on se soigne beaucoup ou pas. C'est subjectif, tout ça, hein. Ouais, ça a l'air bien nul que Xanté. Il a fait tout ça, il a moins de mana que moi. Enfin, moins de mana que moi. Je veux dire, il est oum, quoi. Alors que moi, j'ai pas de mana et je le démolis, c'est ça que j'essaie de dire. Tiens, 40 points de dégâts magiques. S'il vous plaît, c'est kill jungler. Kha'Zix, il est foutu. Bro, t'as pas de mana, s'il te plaît. Sois raisonnable, va-t'en. C'est insultant pour mon champion, sinon. On va essayer un E sur lui. Oh, un petit 124 quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça l'a fait back, d'ailleurs. Ah, hein, il déback. Il déback, tiens. Allons-y, Master Yi. Bravo, Master Yi. Je l'appelle en américain. Vous pourriez pas comprendre. Ouais, ça a l'air bien pourri que Xanté. Ça fait plaisir de pas me faire démolir par ce champion. Oh, Hydro Titanes qui est recommandé. Vous savez à qui vous parlez, Riot Games. Ça, j'apprécie. Full build à 4 minutes 43, ça y est. Ouais, il a peut-être juste mal joué après. Je suis sûr que Xanté, c'est pas si mauvais. Juste avant, il dépensait pas de mana. Et maintenant, il dépense du mana, donc ça fait bizarre. Oh, les dex. Oh, je crois que j'ai fait des dex, là. Je crois que j'ai fait des dex. J'ai carrément fait des dex, il est mid life, je suis full HP. Et j'ai setup le tunnel ici, vous remarquerez. Ça peut peut-être le pranker un peu, bon, je sais pas, on verra bien. Ça c'est dommage. Quand il met pas beaucoup de dégâts ce Z. Hein. Bon, ok, on va le pranker alors. Regardez, je recule. Ah, il s'attendait pas au double Q-spell. Au double E. Ouais, bon champion quand même. Hein. Ouais, quand même pas mal. Il te stun toujours 15 minutes sous tour. Là, il y a des trucs qui ne changent pas. Ouais, bah, t'avais pas de mana, une fois de plus. Enfin, Xanté a une faiblesse. Hein. Je crois qu'il est équilibré, Xanté. Toujours un très bon kit de sort, mais maintenant, il peut manquer de mana. Et ça, c'est plutôt agréable. Et c'est les deux plaques qui sont prises par le Yuns. Pourquoi j'ai deux tunnels exactement au même endroit? C'est bizarre, j'aurais pu le reprendre sûrement. Il prend les tunnels. Ouh, il a détruit deux tunnels. C'est très grave de faire ça. Mais tout à l'heure, il est allé dans ce bush et puis il a pas pris le tunnel, c'est bizarre. On a Maître Yi en 3-0, donc c'est bien, on a déjà gagné la game. Plus la peine de s'inquiéter pour l'avenir. On peut jouer cette game pour le fun. Oh, let's go! Oh, il a duré longtemps ce combo. Hein. Ce combo, bon, c'était juste un trade où j'ai lancé 15 fois tous mes sorts. Ah, nice, le misclick. Classique Rek'Sai, ça. Il y a des choses qui changent pas. Non, mais c'était vraiment agréable à jouer. J'ai même récupéré mon E pendant le fight. Les cooldowns sont beaucoup, beaucoup plus faibles, hein, en fait. On peut faire des fights longs avec Rek'Sai, alors qu'avant, c'était impossible. Quoi. Avant, Rek'Sai, tu mettais ton burst et puis c'est fini. Tu plies les goals, tu peux partir, ça y est. Pardon. À toi que je parle, que ça. Tu peux rester. Oh merde, en train de troller.
Oh là, je schmoove. Allez, encore un E. Encore un. Prendre le métro, by the way. Allez, si tu restes encore 17 secondes, t'es mort. Oh. Juste un bait, ça. Peut-être Kha'Zix qui va venir. Un de ces jours. Je me suis pas encore fait gank. Tiens, Kha'Zix. Heureusement, j'avais ce tunnel, vous voyez. C'est pour ça qu'on s'est tapé les tunnels. Là, il va même pas les détruire. Hein. Il va même pas les détruire. Mais Xanté va sûrement détruire ce tunnel-là. Alors, regardez bien. Regardez, il va avoir l'air débile, mais vraiment débile, quoi. En fait, il est trop lent, je vais devoir le tuer maintenant. Manuellement. Ok, toujours un très bon champion finalement. Il peut pas se battre tout seul, il a besoin d'une toile lui. Toujours. Y'a que comme ça qu'il tue les joueurs de santé de toute façon. Ça m'apprendra, hein, essayer de faire des trucs. J'aurais dû être patient, je suis sûr qu'il aurait essayé de le détruire. Bon, oui, il a fini par le détruire mon tunnel. Mais il était tellement lent, il a mis 15 minutes à tuer ce sbire et moi il me tue en 5 secondes. Y'a quand même quelque chose d'incohérent. De toute façon, je me fais camper. Ouais, un gank, je me fais camper. C'est un nouveau type de camping. Il suffit de gank la personne une fois et tu le campes. C'est un truc qu'utilisent les challengers. Ha! Il se prend 25 points de dégâts. Et hop, 25. Et 25. 26 maintenant. Ouh là là, tiens. Oui bon, ça c'était le E non chargé. Connerie ce champion. Oh, c'est abusé. Où que tu sois sur la map, il peut te mettre sous tour. C'est simple. Grave erreur. Une grave erreur tu as faite. Let's go. Il s'en est sorti. Il a été meilleur. Tu te fais taper par ma tour, ça te fait plaisir? Ah, il a fini ses bottes. Moi je peux pas puisque je vais faire des mercures. Tiens! Tiens! Et 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 je me soigne tout après. Hein. Je peux me soigner jusqu'à 368 si j'ai toute ma fureur. Impressionnant. Désolé pour cette tour. Il est trop chiant, il va trop vite. Je déteste les gens qui finissent leur bot. Surprise! Oh, il est trop bien ce champion. Et toi, Rek'Sai, je suis très déçu. Tu joues 15 fois mieux que quelqu'un, mais il a sa tour. Ah, mais il continue, lui. Et il tue pas les tunnels. Ah, ça lui passe au-dessus de la tête, ça. Mathès crétin. Voilà le genre de crétin qui peut battre Rek'Sai. Il comprend même pas comment le jeu fonctionne. Première game de toute sa vie, je pense. Et il arrive à me battre. Finalement, j'ai bien réfléchi. Et c'est broken, que santé. Split push. Oh, le split push. Ce Q-spell qui a 2 secondes de récupération, là. Il éclate les tours, ouais. Épique. J'aurais pu mieux jouer. Pour être un peu plus sûr d'avoir le kill. C'est pas ça que tu voulais faire, Maître Yves, parce que là t'es en train de faire les loups. Ah, maintenant tu veux. D'accord. Au moment où j'allais tuer Xanté. il a 2 km sans tourelle, hein. Il peut plus rien faire. Pour counter Xanté, tu détruis ses tours.
Où est ta tour? Pauvre merde. Même Skarner top fait mieux. Il fait pareil en mieux d'ailleurs, Skarner top. Si vous voulez un champion qui gagne grâce à sa tour, n'hésitez pas. Ils ont totalement abandonné. Ah non, pas totalement, pas totalement. Rip. Tu seras regretté. Quant à moi, je m'en sortirai peut-être. Je suis tanky. Ouais, on a failli ruiner la game, mon petit maître Yi. Qu'on appelle aussi Lee Sin dans le milieu. Si, si, on l'appelle comme ça. Moi, je vais TP là. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je sais pas à qui je parle en particulier. Je crois que c'était à Vayne parce qu'elle se dirigeait bot. Et je crois qu'elle a changé d'avis. Donc voilà, une tourelle de plus pour Bibi. Et Bibi, c'est moi. Je joue Rek'Sai Split Push. J'ai décidé de ne pas voir mon équipe de toute la partie. Je ne joue que avec Maître Yi, d'accord? Ah non, il y a Gragas qui m'a gank un moment. C'est vrai. Joli! Je voulais... En vrai, je voulais pas prendre le tunnel. Je voulais me suicider et prendre la tour. Ce sera plus raisonnable ainsi. Et hop! Oh, le non-cooldown des tunnels. Regardez ça, je peux déjà le reprendre. C'est encore plus simple de prendre le métro. Et maintenant, je prends tous les objectifs. Le split pusher et le jungler dans un seul corps. Ça n'a jamais été le fort de Rek'Sai, les teamfights. Je ne les évite pas par plaisir. Je les évite car c'est comme ça qu'on gagne avec Rek'Sai. On a un champion qui, bon, il se débrouille en 1v1, 2v2, 3v3. Maximum 3v3, attention. Oh, il ose. Oh, le malade. Énorme caisse, j'adore. Raté, encore. Tiens. Rien ne me fait peur, je me casse. Et hop. Tu vas où comme ça, toi? Où tu vas, bro? Alors, il veut finir, lui. Ouais, mais ils ont... Oh, ils sont là, quand même. Faut pas non plus se foutre de leur gueule, on va prendre les 3 inhibs déjà, ça c'est un objectif assuré, et finir la game, ça n'est pas assuré, même si on est un peu en train d'assurer là. Comme un requin qui chasse sa proie, je tourne autour d'eux. Ouch. J'ai bien peur que ce soit la fin pour moi. Non, c'est bon, Gragas tue tout le monde, Gragas trop fort. Gragas fait diversion, tout le monde m'a oublié. Bamba momento. Il a fait quelque chose de stylé. Oh bah lui il a solo le Nashor, d'accord. Là on va refaire la stratégie. Je vais setup quelques tunnels. Et puis taper le Nexus un peu. Le l'inhib un peu. Ok. Hop le tunnel. Bam. Et on poke avec le Q-spell. Oh il est mort Brom là. Bien, bien. On va sniper qui que ce soit. Il est ulti. Et ça me fait aller sous la tourelle de Nexus. Ah. On devrait pouvoir annuler l'ulti. Surtout que l'ulti te fait passer derrière par rapport à là où tu l'as lancé. Donc vraiment, ça te met en très mauvaise posture hein, quand ton ennemi va sous tour ou dans la fontaine. Si seulement on pouvait un peu diriger l'ulti comme... comme Kane, tiens, voilà, on pourrait faire comme Kane, on choisit la direction dans laquelle on saute. Bon, même si c'est pas logique, j'aurais tellement aimé que ce soit logique. Bon, bien joué, c'est qui ces quatre types là? Jamais vu. Je ne les ai jamais vus. Et voilà, top dégâts avec Rek'Sai. Bilan de cette partie, Rek'Sai, pas mal du tout. Je sens qu'on peut faire quelque chose avec. J'ai peut-être pas fait le bon build. Les combats qui durent longtemps deviennent plus fréquents en fait, on peut les faire. On a le droit. De se battre longtemps. Du coup, l'âme du roi déchu marche aussi. Bon. Je testerai. Hein. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Au revoir.